Elle est arrivée en Allemagne ce 5 octobre 2022, la délégation de la chefferie supérieure du canton Belle. La raison derrière ce déplacement, c'est l'inauguration le 7 octobre prochain de la place Rudolf-Douala-Mangabell dans la ville d'Ulm. C'est dans cette cité allemande que Rudolf-Douala-Mangabell, alors prince, a passé son baccalauréat. La Rudolf-Douala-Mangaplatz, devant le parquet d'Ulm, rentre dans le processus entamé en 2014 pour la réhabilitation du héros de la résistance camerounaise par l'ancien colon. Pour l'inauguration de cette rue, dans cette ville située au sud de l'Allemagne, une délégation multiculturelle fait le voyage. Le symbole, c'est la résistance dans plusieurs parties du Cameroun et la reconnaissance allemande qui doit suivre pour ces autres martyrs de la colonisation. Nous sommes déjà conscients de l'effort qu'ils ont fait, mais pour nous cet effort n'est pas encore suffisant. Voilà, il faudrait justement qu'ils revoient au niveau de l'histoire, tout ce qu'ils ont pu causer et tout comme douleur et comme perte au niveau du peuple camerounais, des peuples autochtones, le peuple Sawa, le peuple Batanga, et aussi ailleurs dans le Cameroun. Tous ces martyrs et tout, qui sont partis pour la cause des leurs. On se rappelle que lors du dernier TT Combo, en août 2022, l'annonce de cet hommage a été faite.